Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've seen it all. Just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call. And I'll be all. J'ai remplacé notre temps secondaire. Ce qui est bien important, c'est que c'est de la façon de le déployer. Avant, elle était attachée avec du cordage. Il y avait plein de cordages qui la tenaient. Fait qu'en cas d'urgence, ça aurait été très long juste de déployer la deuxième ancre. Là, ce que j'ai fait, j'ai commandé des braquettes qui me permettent de la déployer plus rapidement. Je savais que la braquette n'était pas tout à fait faite pour cette ancre-là, que la grosseur du shaft était un petit peu plus gros qu'est-ce que la spécification donnait, mais il n'y a pas grande différence. Fait qu'à ce moment-là, je vais sortir la belle Dremel, un outil indispensable. Il faut juste y grandir un peu le trou. Ce qui est le fun, c'est que ce côté-là fonctionne très bien, mais c'est celle-là ici qui... le trou est un petit peu plus petit. Fait que c'est pas bien grave. On va l'agrandir, puis on va faire une belle installation après. Ouais, on vient bien. Ouais, on va pas te mettre le nez là, gros. J'ai fini l'installation des petites braquettes pour l'ancre. C'est pas pire, mais la seule chose que j'ai pas aimé, c'est que les braquettes viennent pré-pliées. Puis après ça, toi, tu l'ajustes à ton bateau. Mais si tu t'en laisses 3-16, ça se plie pas comme tu veux. Puis c'est dur de plier ça sans faire des marques dessus. J'ai des pinces en plus qui n'ont pas dedans. J'ai mis des guenilles, mais ça réussit pas à pas faire des marques. En tout cas, j'ai réussi à les ajuster comme que je voulais pour l'adapter à mon bateau. Puis le résultat final, c'est quand même pas pire comme utilisation. C'est sûr que il n'y a rien de parfait, là, c'est à cause que l'ancre, j'ai trouvé un petit coin qui est utilisable puis qu'elle ne dérange pas à d'autres places. Il va me rester juste à faire une petite corde de sécurité. Si on ne sait jamais, on va tenir une petite clip avec peut-être un mousqueton pour l'attacher comme il faut, pour pas être sûr qu'elle débarque. Je vais juste l'équiper pour pas que l'ancre, puis arranger mon shackle. Avec ma chaîne de spare qui c'est assez rapide pour remettre. Il y en a peut-être attaché une corde au bout avec un shackle à la place pour qu'il vraiment être prêt à déployer en cas d'urgence. Puis la chaîne, j'ai quand même une chaîne de spare pour si jamais on a besoin ancrer à plus long terme, parce qu'on s'entend qu'une corde sur des coraux, ça reste pas longtemps. Je vais faire une petite démonstration de le déploiement de l'ancre, comment la sortir de là. C'est juste une technique un peu, je me suis habitué là, pour la sortir comme il faut, mais une fois que je pogne la twist, ça va bien. Hey, c'est quand même pas payé ça. C'est un petit projet qui m'a pas pris toute la journée. C'est rare ça sur un bateau. Aujourd'hui, je vais aller faire un autre petit projet. Ce que j'ai fait l'autre dernière fois, j'ai tout sorti ma chaîne,
Je l'ai mesuré. J'étais sûr d'avoir 150 pieds de chaîne. En fin de compte, j'avais 197 pieds de chaîne. Je l'ai sorti la chaîne pour la mesurer, pour l'inspecter, puis la changer de bord. Parce que tout le temps, il y a un bord qui est plus usé que l'autre. Fait que la chaîne était vraiment l'autre côté, l'autre bout était neuf. Fait que moi, je l'ai inversé. J'ai aussi mesuré, puis j'ai marqué des points à chaque 25 pieds que j'ai marqué la chaîne. C'est une bonne commodité quand on entre pour savoir comment la chaîne qu'on a déployée. J'ai mis aussi une grosse ancre, une Rogna, 55 livres. On avait une 33, je me crois, c'est une 15 kilos. Je pense bien, c'est ça, c'est 33 livres. L'autre ancre, ça fait que c'est deux grosseurs de plus. Puisque tu as une 15 kg, tu as une 20 kg, tu as une 25, on a installé une 25. Je savais pas si elle était pas fitée. Elle était borderline de mesurer virtuellement, là, c'est pas facile. Elle fit pas tout à fait. Je dirais qu'il manque un pouce d'éclairance pour qu'elle claire la coque. Il y a quelques petites modifications que je vais essayer d'apporter pour la faire tenir là, la faire fitter, parce que autrement, elle fait bien là, pareil. Jusqu'à la cote. Fait qu'il faut juste pas que je baigne la chaîne trop du guindeau pour pas qu'elle la cote. Puis je l'attache comme qu'il faut faire tout en mer. Mais je me suis commandé un rouleau en avant un petit peu plus gros. Fait que ça va me donner une chance supérieure. Puis aussi, vu que l'ancre est plus pesante, j'ai une idée d'enlever. J'avais 197 pieds de chaîne, j'ai enlevé 17 pieds de chaîne. 17 pieds de chaîne, ça pèse environ 23 livres. Tandis que mon ancre en a environ 22 livres plus pesante que l'autre. En enlevant mon 23 livres de chaîne, qui est 17 pieds, parce que ça pèse 1,4 livres du pied, j'ai enlevé 17 pieds, j'ai arrivé avec un poids comme qu'il y avait avant. Je ne voulais pas mettre trop de poids en avant du bateau, quand même un 36 pieds. Du poids en avant sur le bateau, ça le fait piquer du nez, hein, ça le fait faire le dauphin. Comme cela, ça n'a rien changé, le poids restait le même, juste perdu 17 pieds de chaîne, puis anyway, je pensais juste d'avoir 150 pieds de chaîne, anyway. Fait que je me retrouve avec 180 pieds, puis j'ai 30 pieds de plus que je pensais d'avoir, anyway. Et là, on va aller voir ça. Je vais aller installer mon rouleau en avant. Je peux pas éclairer un peu plus mon devant sans faire de trop de modifications pour la nouvelle onde. J'ai commandé un rouleau qui est un petit peu plus grand diamètre le centre, parce que le côté, ça n'a pas grand-chose. J'ai sauvé un demi-pouce avec un Surf Conférence. On en gagne un quart de pouce. C'est mieux que rien. Ça va aussi pousser et remonter l'ancre. Fait qu'on va laisser voir si ça règle. Je pense pas que ça va régler notre problème à 100%, mais si ça peut m'aider à 50%, ben j'aurai ça de gagner plus. Après ça, je déciderai plus tard c'est quoi que je vais faire pour une solution finale. J'ai enlevé le rouleau, on voit la différence, ça, c'est notre vieux, le 9, un peu plus de diamètre, fait qu'on va gagner de la distance entre la coque et notre ancre. Et le nouveau rouleau installé, c'est mon vieux. Si ça fonctionne pas, il y a toujours le Mantis, ils font le Anchor Guard. C'est comme une petite main que tu installes à la même place que la boat, ça fait comme un support qui accote sur le bout de l'ancre, fait que ça l'empêche d'aller toucher la coque. Ça va être l'autre solution si le rouleau donne pas assez de clairance. Fait qu'on va tester, on va mettre la chaîne, on va remonter l'ancre, on va voir comment on a gagné de clairance. Je vais quand même commander le Mantis Anchor Guard parce que ça va quand même cogner mais que ça brasse. Là, comme ça, il touche plus à la coque, il faut juste toucher un peu à la plaque de stainless en avant. C'est sûr que si je brasse l'ancre, je peux aller taper sur la coque quand même, mais ça a donné plus de résultats que je pensais. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en faisant mes recherches pour une fixation pour mon watermaker. Je voulais une planche.
Idéalement, je voulais une planche qui était traitée bon pour l'environnement marin. Parce que j'ai d'autres utilités à faire, j'ai d'autres petites braquettes à faire en même temps avec. Fait que j'ai fait une recherche puis j'ai trouvé de la planche laminée de fibre de verre. Dans le fond, c'est un foam laminé de fibre, renforcé de fibre de verre. Il y a des différentes densités, différentes épaisseurs. Celui-là ici, c'est un 3 quarts de pouce. J'ai acheté une feuille de 2 pieds par 4 pieds. Ça, c'est pour faire la braquette pour tenir le Watermaker. Fait que le Watermaker, lui, ce qui va devoir être en dessous du lavabo, il pèse 25 livres. Fait qu'avec ça, je vais pouvoir m'en servir pour le fixer sur le bord de la coque en dessous du lavabo. Je vais avoir aussi le macérateur qui va être fixé au côté, puis probablement la pompe de la douche qui va aller. Fait que, elle va servir à beaucoup de choses. Ça va être très compact, très serré. On n'a pas grand espace en dessous, mais ça va être une belle installation. Ça, l'avantage et les avantages, c'est que c'est plus léger qu'une planche de plywood, puis c'est la même force qu'une planche de plywood. Le problème, c'est que les vis, une vis à bois dedans, ne tient pas beaucoup. Ce qui est recommandé, c'est de laminer avec de la fibre de verre. Puis plus qu'on met de couches de fibre de verre, plus que les vis vont bien tenir. C'est sûr que le Watermaker, lui, ça va être des bottes au complet parce qu'il est très lourd. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre des bottes qui vont sortir d'un côté, qui vont faire que ça va être des studs. Parce que le Watermaker, quand je vais aller l'apporter, je vais pouvoir l'embarquer sur ces studs. Et c'est sûr que les studs, je vais les coller dans l'époxy en arrière. Parce que j'irai plus accès en arrière, parce que cette planche-là, elle, je vais la coller sur la coque du bateau. Ça va me servir un bon montage. Puis les restants que j'ai aussi, je vais pouvoir m'en servir pour faire d'autres bricoles dans le bateau. Donc on va commencer par laminer. Je vais mettre 4 couches de tissu de fibre de verre 1708. Puis en arrière, je vais peut-être mettre une ou deux couches. Tu sais, si je mets environ 3 couches, ça me donne un quart de pouce de plus. La planche a déjà 3 quarts, ça va me donner une planche d'un pouce. Ça va être exactement ce que je veux. On va laisser ça sécher. Demain, je vais vous montrer le résultat que ça va donner. Puis on va le sabler